Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans Culture Box, l'émission qui accueille pour vous chaque soir les artistes ici dans leur maison. Je voudrais vous présenter un metteur en scène de talent qui va venir nous retrouver, un homme de théâtre qui a signé une cinquantaine de mises en scène et qui aime par-dessus tout le mélange des genres. Comédie d'aujourd'hui, texte d'hier, des grands classiques, vaudeville ou spectacle musical avec Alain Saxe, tout est possible, même créer une attraction pour le parc Astérix, écrire pour les Guignols ou encore mettre en scène un quatuor à cordes. Du célèbre quatuor musical et humoristique qu'il a rendu célèbre à sa version du Kin d'Alexandre Dumas, adaptée par Jean-Paul Sartre, tout ce que touche ce metteur en scène, dramaturge et comédien se change, sinon en or, du moins en Molière. Alors venez donc nous transformer en métal précieux, Alain Saxe. Bienvenue chez vous, bienvenue dans Culture Box sur du Michael Jackson. Salut Alain. D'accord. Ah, vous avez vu venir avec mes gros sabots, encore une fois, je vous présente Ambroisine. Oui, bon, bravo, magnifique. Merci. Ça nous a fait du bien ce que vient de faire Ambroisine. Voilà. Vous êtes parti, je vous voyais. Tout ce qui se passe ici me fait du bien. Ah, vous nous suivez tous les jours. Ah, on est content. Alain Saxe qui nous dit ça. C'est super chic. Bon, on vous a reçu sur Billy de Michael Jackson. Vous me voyez venir, ah, oui, bah oui, parce que je vous assure, ça paraît incongru, mais il y a un lien entre Alain Saxe et le roi de la pop. Il est venu voir un de vos spectacles un jour. Ah, bien sûr, c'est mon copain. Oui. Et oui, il est venu un jour voir un de mes spectacles, aussi incroyable que ça puisse paraître. Il n'est pas venu seul, il est venu accompagné de Stanley Donen, le réalisateur de Chantons sous la pluie. Ah ouais. Mais il est rentré comme ça, il est passé par le bar, le vestiaire. Alors, quand Michael Jackson vient vous voir au théâtre, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Si vous voulez, il y a une espèce de logistique, car c'était un secret absolu, j'étais le seul à le savoir. Il fallait d'abord déjà le faire rentrer dans la salle sans que ce soit une émeute. C'était très compliqué. J'ai mille choses à raconter là-dessus, mais une des choses jolies, c'est qu'il y avait ce jour-là une classe de 50 mômes que leur professeur avait obligé à aller au théâtre. Ils sont quand même tous repartis avec un autographe de Michael Jackson. Ah, génial. Bon, Michael Jackson, pourquoi il est venu vous voir d'ailleurs? Bon, il avait bon goût, parce que quand on vient voir un spectacle... C'était le passe-muraille de Marcel Aimé dans le livret de Didier Van Cauwelaert et la musique de Michel Legrand. Et il a été question à un moment qu'il le fasse, lui. Et voilà. Bon, on va voir une photo. Il y a une vraie photo qui témoigne de ce moment où justement on voit Michel Legrand. Normalement, à côté. Incroyable cette photo. Alors, il y a Michael Jackson, il y a Michel Legrand et un masque au-dessus qui était invité dans la photo qui nous fascine, cette espèce oui, de masque. On ne sait pas trop. Et puis un Molière. Et un Molière. Et un Molière, oui, absolument. Bah, oui. Ce Molière, bah oui, forcément. Ouais. Bon, Alain, je le disais, vous êtes comédien, dramaturge, metteur en scène, mais vous êtes aussi marionnettiste, chroniqueur à la radio et à la télévision. En 2019, on le redit, mais c'est vrai que vous avez été nommé 5 fois au Molière avec votre pièce Kin. Kin, c'est l'histoire d'un comédien shakespearien virevoltant et séducteur. Je vous propose qu'on regarde un tout petit extrait. Avec plaisir. Pense, j'ai ton Kin, mais Kin. Pourquoi n'aimerait-on pas Kin? Mais c'est un comédien. Savez-vous qu'il a eu ni les deux femmes. Ni les deux? Ni les deux. Oh, je t'aime, je t'aime. Et cette fessée. Je savais pas que vous receviez. Je Quand celle-ci s'entiche de Kin, elle court après une illusion d'homme. Kin n'est donc pas un homme. C'est quelques images, et ça doit être assez étrange comme sentiment d'ailleurs, de voir ces images en ce moment même, sans possibilité de retrouver le public, comme pour Ambroisine d'ailleurs. Mais absolument, c'est une émotion pour nous tous. Hein, vous savez qu'on enregistre des tas de spectacles dans des salles vides, on essaye de trouver des solutions. Et votre chaîne en diffuse énormément, ouais. Et on survit, on maintient la flamme. Voilà. Mais vous montez au créneau, Alain, pour que les salles rouvrent? Ou alors vous attendez sagement que ça se passe, vous faites vos captations? Non, on essaye de trouver une juste mesure dans nos propos, entre un respect de ce qui est en train de se passer et qui accable le monde entier, et le fait qu'il serait bien, à un moment, et proche maintenant, je pense, raisonnable, d'ouvrir. On est prêt, hein, vous savez que les spectacles répètent pour Avignon, tout le monde fait comme si Avignon avait lieu, hein, oui, les jeunes compagnies, etc. Donc on est prêt, les spectacles sont prêts, et on attend le feu vert. Bon, on nous a laissé espérer un peu vers la mi-mai pour ouvrir progressivement, donc on s'accroche à cette idée, bien nous évidemment. Aussi, si vous voulez, je peux vous dire sur Kin juste un mot, parce que c'est un petit conte de fées. C'est-à-dire que c'est cette pièce par laquelle Jean-Paul Belmondo est revenu au théâtre après 27 ans de cinéma, bien avant Cyrano de Bergerac, c'est sa première pièce. Et depuis qu'il l'a montée,
quasiment personne n'a voulu la jouer parce que tout le monde avait peur de passer derrière Jean-Paul Belmondo. Donc nous l'avons créée dans un petit théâtre qui est le Théâtre 14, 180 places, avec une troupe de comédiens exceptionnels, Alexis Dessau dans le rôle-titre. Et nous avons fait depuis 3 théâtres à Paris, 40 dates de tournée. Et d'ailleurs, on repart en tournée en septembre prochain, octobre prochain, si tout va bien. C'est reparti. Voilà. On les réserve. Vous savez quoi? On soutient tout le monde. On réserve nos places, évidemment. C'est important de faire ça. Vous êtes venu avec un texte aujourd'hui. Oui. Parce qu'on demande évidemment à tous nos artistes de performer sur la scène de Culture Box. Quel est le texte et quel est l'objet que vous avez dans les mains? Alors, j'ai eu une dérogation. Je sais que le spectacle se passe dans votre magnifique théâtre. Non, le canapé marche aussi. Petite dérogation parce que j'avais besoin de vous. Et alors, voilà. Ça, c'est pour donner un peu d'espoir aux jeunes tellement emmerdés par les temps qui courent. Ceci est un cahier que j'ai réalisé à l'âge de 15 ans de poèmes. J'en ai 3-4, vous voyez, c'est mon écriture. C'est vos poèmes de l'époque? Non, c'est les poèmes de poètes qui m'ont qui vous m'ont les glanez, et vous voilà. Les recopiez dans votre cahier. Voilà. Et, très propre. Et c'est quand même assez beau de savoir. Il a une belle écriture, celui-ci. Ça, c'est pas sûr. Ça paraît très beau. Bon, très propre, très beau. Et c'est bien de savoir que 50 ans après... Mais vous l'avez retrouvé, ce cahier, ou vous saviez qu'il avait toujours... Je sais qu'il est là. Et le ressortir pour dire un poème maintenant. Bon, pour les jeunes, voilà, on écrit. Parce qu'évidemment, pendant que je faisais ça, moi, je rêvais au spectacle, au théâtre, à en faire mon métier. Ben, ça a marché et le cahier est toujours là pour témoigner d'une flamme. C'est chouette. Voilà, alors voilà. Et en plus, j'avais besoin d'une partenaire pour ce texte. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dis pas de qui il est, on le dira après. Hein. On ne dit pas. Alors. Et moi, je dois faire quoi? Je vous écoutez? Rien, m'écoutez. Je vais vaguement m'adresser à vous, mais vaguement, très vaguement. D'accord. Madame, quel est votre mot et sur le mot et sur la chose? On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Aussi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot et sur le mot. Et sur la chose, j'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose, mais c'est la chose avec le mot, le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot seraient à mes yeux peu de choses. Et je crois même, en faveur du mot, pouvoir ajouter quelque chose, une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose, c'est quand l'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. C'est... et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours là quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut ajouter autant qu'au mot, autant que l'on peut, quelque chose, et que pour le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, le mot et la chose doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot qu'on est déjà prêt à la chose. Mais quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot bien peu connaisseur en la chose. Eh bien, voici mon dernier mot, et sur le mot... Et sur la chose, madame, passez-moi le mot et je vous passerai la chose. Bravo. Écrit par un ecclésiastique du XVIIe siècle. Non. Monsieur l'abbé de la Tédion. Mais non. Oui. Auteur de J'ai du bon sabbat dans ma sabatière. Mais c'est si logique. C'est bon, pas vrai. Il a une carrière ecclésiastique un petit peu... voilà, ça dépendait des jours. Oui, c'est ça. Merci. C'est un très beau cadeau. Vous venez nous faire. Alors là, je ne dirai pas la chose. En revanche, je veux bien qu'on m'amène une chose délicieuse que vous adorez, deux choses que vous adorez. Des spéculoos, oui, s'il te plaît. Matt, merci beaucoup. Et un bloc-notes. Des spéculoos, c'est un bloc-notes. Ce sont un outil de travail qui ne vous quitte jamais, apparemment. Et des spéculoos, c'est votre passion. Moi, non, merci, ça ira très bien. Comme ça, si jamais vous avez un petit creux ou des idées qui vous viennent pendant l'émission, vous n'hésitez pas, on y va. C'est la maison des artistes. Vous avez des informateurs. Vous savez pourquoi un bloc-notes, c'est nous, metteurs en scène, on va voir les spectacles une fois qu'ils ont créé et on prend des notes. Et ensuite, ça a pu durer très longtemps. Chaque soir, on donne les notes aux comédiens. Et un jour, une équipe de comédiens m'a offert 200 blocs comme ça.
pour que ça m'a duré un certain temps. Bah, il y en a un de plus maintenant. Merci beaucoup. Bon, bah, alors, vous pouvez les manger pendant que je vous pose cette question. Hein. Mais, alors non, alors, on va faire attention. Ouais. Bah, faites, hein. Vous aimez les défis. Avec ça, il faut un peu de liquide. Bon, Matt, il va peut-être pouvoir faire quelque chose, je ne sais pas. Hein. Alain, vous aimez les changements de registre aussi. Hein. C'est le cas, encore une fois, avec votre prochaine mise en scène qui jouera en septembre prochain à la Comédie Bastille. Le titre, c'est « Et Dieu créa le swing », une pièce portée par le trio Swing Cocktail, accompagné d'un pianiste. C'est une histoire de voix. Absolument, c'est un magnifique groupe qui existe, que j'ai découvert un petit peu comme ça à la faveur de choses qui m'arrivent. J'ai eu un coup de foudre et on a fabriqué un spectacle. Et on a fabriqué ce spectacle qu'on a pu jouer 3 fois devant 18 personnes, c'était la jauge maximale autorisée, juste avant les couvre-feux imposés. Oui. Donc ce spectacle est prêt. La Comédie Bastille nous a choisis et on est... Alors vraiment, là, je ne peux pas vous donner la date, mais dès l'ouverture, on sera là avec les Swing Cocktails. C'est un groupe magnifique. Et ben voilà. Alors c'est noté dans nos blocs-notes à nous. Vous restez avec nous, Alain ? Oui. On a plein d'artistes à vous présenter. Moi, je peux vous raconter une histoire extraordinaire qui m'est arrivée dans une chambre d'hôtel. Ah, vous me donnez, sur la chose ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez dire la chose ? Je fais donc des spectacles musicaux, comme vous le savez. Et un jour, dans ma chambre, j'entends dans la chambre d'à côté... une voix extraordinaire, extraordinaire, qui chante ICO de Hugo Frey. Je suis bouleversé, je glisse un petit mot sous la porte de la chanteuse. Je disais, je ne suis pas un satyre, je ne cherche pas quoi que ce soit, mais je suis metteur en scène de musique, et dans les spectacles musicaux, j'ai besoin de vous rencontrer. Elle arrive, elle frappe à la porte, quelqu'un d'emmitouflé complètement. Et je lui dis, elle me dit, mais tu ne me reconnais pas ? Mais tu ne me reconnais pas ? J'ai dit, non, je suis désolé. C'était Catherine Ringer. Mais non ! Qui, premièrement, je lui dis, mais pourquoi tu chantes ICO ? Elle me dit, c'est la meilleure chanson pour me faire ma voix. Elle chantait un opéra le soir. Et la deuxième chose, elle était bouleversée parce que c'est la première fois qu'on lui refaisait un compliment sans savoir qui elle était. Ah. Oui, c'est trop charmant cette histoire. Il s'en passe des choses à l'hôtel.